Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que là je me les pèle parce qu'il pleut comme pas possible, ça se voit à mes fringues, hein, je suis trempé. Mais vous voyez ça là? Ça ressemble à une Ford de loin, mais c'est pas une Ford. C'est presque ça. Donc ici vous avez la Tayma. Très 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 belle auto. Magnifique si je puis dire. Regardez-moi ça, très très rare. Celle-ci c'est la version 4 cylindres qui a été également déclinée en V6. Je trouve ça juste sublimissime. Regardez-moi ça. Ça se voit que la personne qui est propriétaire de ce véhicule fait pas mal de rallye parce que la livrée quand même elle est assez coquette. Elle est vraiment vraiment très belle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas TVR, qui est une marque très 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 anglaise, ils ont fait des voitures quand même telles que la Sagaris, excusez-moi, j'étais choqué par le bruit là-bas. Donc il y a la Sagaris, il y a la Cerbera, etc. Donc des voitures quand même assez folles. T'as, ici vous voyez qu'il y a un sacré shotgun. Hein. Salut Tanguy Crims. Ah, c'est vraiment vraiment une belle auto. C'est une très très belle auto avec un indice de rareté quand même qui est assez conséquent. C'est des voitures, tu peux les trouver, genre elles ont seulement... tu peux trouver des voitures comme ça en V6, il me semble, il y en a quand même moins de 500 exemplaires. Tu vois, donc c'est quand même assez fou. Je trouve ça sublime, sublime, sublime. Et vous en pensez quoi, la famille? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous appréciez TVR? Est-ce que vous aimez ce genre de voiture? Regardez-moi ce petit détail ici. C'est le logo. Il n'a pas changé avec les années. Là, vous voyez qu'elle a une petite bouche. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu... Ça me fait rappeler un petit peu les 240Z. Vous voyez, si on les regarde un petit peu comme ça, elles sont un peu profilées comme les 240. Mais c'était typique des voitures des années 70, avec justement le phare qui rentrait et qui laissait passer ça. Et généralement, bon, pour le côté aérodynamique, vous aviez ici une petite coquille. Mais je trouve ça juste très 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 beau. Avec des petites écopes là. Ce qui a fait ce boucan, c'est cette chose. Magnifique. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, même si elle n'a pas été super longue. J'espère que ça vous a fait kiffer de découvrir cette petite voiture qui change de l'ordinaire, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir pas mal de voitures, mais c'est bien également de varier les plaisirs. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée, merci à tous ceux qui ont contribué au like. Évidemment, il y a pas mal de voitures qui vont arriver, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Et à bientôt la famille, ciao!